Quand vous attribuez des comportements, ou bien vous donnez des attributs, des comportements humains, l'être suprême, l'athée, lui, se pose une question. Il se dit, mais si Dieu, lui, vous dites que Dieu, par exemple, dans la Bible, dort, Dieu mange, par exemple, Jésus est Dieu, pourtant il a mangé, s'il a mangé, c'est qu'il a fait caca, s'il a fait caca, c'est qu'il a uriné. Bon, si vous dites que Dieu a mangé, il a fait pipi, il a fait caca, et que moi-même, je fais les mêmes choses, mais pourquoi dites-moi alors que Dieu est différent de moi? Donc moi-même, je suis Dieu. Alors que ce n'est pas réellement ce que la Bible enseigne. La Bible n'a jamais enseigné cela. C'est l'argent que les pasteurs ont enlevé dans la poche de la communauté béninoise, ça fait 155,6 milliards de francs CFA. On ne peut pas avoir le salut dans le désordre. Les gens qui volent 155,6 milliards ne peuvent pas nous donner le salut. C'est impossible. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية ذي موقف ما أعظما لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنا في موقف ما أعظما لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظما. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, au-delà du réel sur Gulf Télévision. Apparaît à vous une fois encore et s'installe sur votre poste téléviseur pour vous apporter de la connaissance, cette connaissance qui nous éveille. Cette connaissance qui nous apporte beaucoup de choses, beaucoup le savoir. C'est cette source à laquelle nous devons nous abreuver au jour le jour pour notre développement personnel. C'est de cela qu'il s'agit sur l'émission Au-delà du réel. Et ce soir, nous allons vous parler du salut. Le salut, par quel chemin? C'est là la grande interrogation à laquelle nous allons, avec notre invité, apporter des réponses qu'il faut. Parce que, autant que nous sommes, nous aspirons, nous sommes à la recherche du salut. Quelles que soient les religions endogènes et tout, nous aspirons, nous recherchons le salut. Le salut existe-t-il? Mais pour quel type de salut œuvrons-nous? Ou quel type de salut recherchons-nous? Avec notre invité, nous allons essayer de vous apporter l'essentiel de ce qu'il faut savoir et vous mettre, pour vous permettre surtout de vous mettre en cause, de savoir si réellement, par nos comportements, par ce que nous faisons, si réellement nous sommes à la recherche du salut et si nous pouvons vraiment le trouver. Notre invité, Imam Adil Ayedou, spécialiste des questions de religion, des questions liées au terrorisme, etc. Il aura le temps de mieux se présenter. Vous le connaissez, il n'est pas du tout étranger à cette émission. Merci, Imam Adil Ayedou. Merci d'être là encore ce soir. Merci, Monsieur Théodule. Merci de nous répondre. Et
Et la population de Djougou vous a certainement permis d'être avec nous ce soir. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Alors, Imam Ayedou, vous, lors de votre dernier passage, ils étaient très nombreux, ces téléspectateurs, à vouloir vous écouter, à vouloir vous entendre, de par vos développements, tout ce que vous... tout ce que vous partagez avec eux, et vous êtes là encore ce soir, certainement que vous avez eu aussi le retour de tout ce qu'on dit là. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui, oui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et nous implorons sa miséricorde sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes qu'Allah a envoyés dans l'un but de nous tirer de l'obscurité vers la lumière parfaite, de l'étroitesse de ce bas monde vers l'aisance de l'au-delà. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi d'être invité sur le plateau pour débattre d'un thème aussi brillant, parce que c'est pas facile, c'est un très bon thème, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes à la recherche réellement du salut. Il n'y a pas cette religion qui ne parle pas de... Même les athées, hein, qui nient l'existence du Dieu suprême, aussi, ils parlent de l'athée. Moi, j'ai écouté un jour le pape François qui dit même les athées auront le salut. Donc cela suppose que même les athées sont à la recherche de ce salut. De ce salut. Alors d'entrée de jeu, Imam Adil, est-ce que le salut, quand on parle de salut, qu'est-ce que c'est que le salut? Et quel type de salut, combien de sortes de salut existent-ils? Et c'est sûr, au cours du débat, nous aurons à comprendre si réellement, en tant qu'être, c'est-à-dire nous les hommes d'aujourd'hui, de par nos comportements, nos pensées, nos gestes et paroles, est-ce que véritablement nous pouvons aspirer à ce salut? D'abord, le salut, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, si nous allons prendre la définition du salut dans moi, mon domaine, c'est-à-dire dans le cadre de la religion, le salut c'est comme l'ensemble. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est une manière d'échapper à la damnation et de l'enfer. Ça veut dire quoi? Quand on dit damnation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire échapper au chemin qui amène l'homme à vivre dans l'enfer d'une manière éternelle. Donc, dans le cas de la religion, c'est l'ensemble des comportements qu'il faut adopter, le mode de vie qu'il faut adopter, l'ensemble des croyances et comportements qu'il faut adopter pour éviter d'emprunter le chemin qui va nous amener à la damnation éternelle, c'est-à-dire à la damnation de l'enfer, nous amener à vivre dans le feu de l'enfer d'une manière éternelle. Donc, pour pouvoir bien maîtriser ce chemin-là et connaître ce salut-là et l'avoir, c'est qu'il faut faire référence à celui qui peut nous amener à tomber dans le feu de l'enfer, ou bien celui qui peut punir dans le feu de l'enfer, celui qui a créé l'enfer. Parce qu'il faut connaître d'abord ce que celui qui a créé l'enfer, celui qui punit les gens dans l'enfer, ne veut pas, pour que nous ne tombons pas dans quoi? Dans les interdits pour pouvoir rentrer dans l'enfer. Je suppose, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu créateur du ciel et de la terre, il a créé le paradis et l'enfer. C'est lui qui dit, si vous n'obéissez pas, je vous punis dans telle chose. Donc, la première des choses à faire, il faut d'abord le connaître. Parce que c'est lui qui a créé l'enfer et c'est lui qui a créé le paradis. Il te donne le salut par le paradis, mais si tu n'as pas le salut, c'est que tu vas en enfer. Donc, il faut d'abord le connaître lui-même et savoir que, ah, voilà les choses qu'il n'aime pas. Et quand je ne vais pas de ce chemin, donc je n'emprunte pas le chemin de quoi? De l'enfer. Et voilà les choses qu'il aime pour que j'aille au paradis. Donc, à la connaissance de lui, c'est-à-dire de Dieu suprême, c'est ça seul, c'est d'abord la première base qui nous permettra de pouvoir faire la distinction entre les deux chemins. Donc, toutes les religions aujourd'hui se basent essentiellement sur cela. Parce que chacun propose maintenant des chemins qui nous amènent réellement à avoir le salut. C'est-à-dire, ils proposent des modes de vie qui doivent nous permettre d'éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et c'est ce qui est sur le terrain aujourd'hui. Toutes les religions proposent, mais c'est à nous maintenant d'aller avec la logique et la raison, rencontrer toutes ces religions-là, sans avoir dans notre cœur préalablement des préjugés. Nous devions prendre toutes ces religions. Et ces religions, majoritairement, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 111, le Coran nous dit, ils disent que les Coréens n'iront pas au paradis, mais demandez-leur d'apporter leurs preuves. Les preuves que toutes les religions peuvent amener aujourd'hui pour pouvoir montrer leur salut doivent se baser sur leur écriture sainte. Ça veut dire quoi? Nous ne devions pas juger une religion ou bien le salut d'une religion par rapport à ce qu'il dit. Il doit nous montrer des preuves claires dans le livre qu'il a, qu'il pense que c'est un livre révélé, parce que la seule, celui qui peut réellement nous montrer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, c'est quoi? C'est Dieu suprême lui-même. Parce que l'homme ne peut pas se mettre directement à la place de Dieu pour dire, bon, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Non, c'est Dieu lui-même qui révèle à travers ses prophètes, c'est-à-dire d'où l'importance d'avoir des prophètes, c'est Dieu lui-même qui révèle à ses prophètes le moyen qu'il faut avoir
pour pouvoir acquérir ce qu'on appelle le salut. Mais l'homme lui-même ne peut pas se lever pour imaginer, pour dire non. Voilà, c'est à partir des enseignements des prophètes que toi, tu développes maintenant les voies et moyens pour pouvoir échapper au feu de l'enfer. Et les prophètes nous ont tout enseigné, jusqu'au dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez qu'ils nous ont tout enseigné? Ils nous ont tout enseigné. C'est à nous seulement d'aller, de méditer et de réfléchir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Isra, chapitre 17, au verset 89, que nous avons donné toute forme d'exemple dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les exemples que nous voulons pour pouvoir avoir la croyance à la divinité et comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. Allah nous dit, le Coran nous sert déjà de référence pour pouvoir avoir cette croyance-là. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Même la science revient aujourd'hui à la réalité coranique. D'autant plus que la science est partie de quelque part. Oui. Hein? Pour dire, bon, au départ, qu'il n'y a pas un créateur de l'univers. Mais aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti, par exemple, d'un phénomène qu'on appelle le Big Bang. Et de Big Bang, quand, par exemple, Edwin Hubble, en 1929, a découvert que les planètes, c'est-à-dire, sont en pleine expansion, c'est-à-dire, ils s'éloignent l'un de l'autre, les scientifiques ont réfléchi par rapport à cela pour dire, mais s'ils se déplaçaient, c'est qu'au départ, ils étaient compacts. Et s'ils sont compacts, c'est là le problème de Big Bang est arrivé, c'est qu'il y a eu un grand coup. Qui a amené le grand coup alors? Parce que rien ne crée rien. C'est qu'il y a une cause derrière le grand coup. Et d'autres savants disent, mais si vous voulez comprendre la cause qui est derrière la cause du grand coup, c'est qu'on ne va jamais finir. Parce qu'on va toujours chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Donc c'est quoi? C'est que c'est une cause. Et la cause doit se présenter comment? Et c'est là la question. Et c'est là les scientifiques se sont dit une chose. Et c'est ce qui m'a plu. C'est pourquoi ils disent, si on revient au niveau du Coran, quand les scientifiques disent ceci, que la cause ne doit jamais faire partie de la matière, de l'énergie, ni du temps. De la matière, ni de l'énergie, ni du temps. C'est impossible. Il ne doit pas. D'autant plus que toutes ces trois choses doivent commencer par exister juste après le grand coup. C'est cela. Donc, il ne doit pas faire partie de cela. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, comme nous avons des versets dans la Bible qui le certifient. Nous l'avons cité ici la fois passée, par exemple, dans Isaïe 40, au verset 18 jusqu'à 25. Dieu dit, lui ne ressemble à rien. Il ne ressemble à personne. Il dit, par exemple, dans Isaïe 43, au verset 11, il dit, oh, il est l'éternel. Or, lui, il n'y a plus d'éternel. Il y a beaucoup de versets, Isaïe 45, verset 6, il y a beaucoup de versets où, dans la Bible elle-même, Dieu lui-même, il a bien précisé que lui ne ressemble à rien, ne le comparait à rien. Dans le Coran, dans la Sourate Ikhlas, au chapitre 112, au dernier verset de la Sourate Ikhlas, il a dit ça. Il dit, lui n'est semblable à rien. Donc, Dieu lui-même nous montre déjà clairement qu'on ne peut même pas, dans notre tête, il n'a pas mis quelque chose qui doit nous permettre de pouvoir l'imaginer. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire nous revenons maintenant à notre sujet, donc la science elle-même confirme qu'il y a un seul Dieu qui est derrière tout cela, parce que s'ils étaient Dieu, voilà encore un autre problème, s'ils étaient Dieu, je suis en train de rentrer déjà dans la croyance des religions par rapport au salut. Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des religions qui parlent d'une plurielle, c'est-à-dire Dieu pluriel. Ça veut dire quoi? Dieu, il y a Dieu éteint, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu cela. Non, nous, vous voyez, la logique elle-même n'accepte pas cela. C'est ça d'ailleurs même qui a créé, c'est l'une des bases de l'athéisme. Parce que quand vous attribuez des comportements, ou bien vous donnez des attributs, des comportements humains à l'être suprême, l'athée, lui, se pose une question. Il se dit, mais si Dieu, lui, vous dites que Dieu, par exemple, dans la Bible, dort, Dieu mange, par exemple, dit Jésus est Dieu. Pourtant, il a mangé. S'il a mangé, c'est qu'il a fait caca. S'il a fait caca, c'est qu'il a uriné. Bon, si vous dites que Dieu a mangé, il a fait pipi, il a fait caca, et que moi-même, je fais les mêmes choses, mais pourquoi dites-moi alors que Dieu est différent de moi? Donc, moi-même, je suis Dieu. Alors que ce n'est pas réellement ce que la Bible enseigne. La Bible n'a jamais enseigné cela. Non, le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, n'a jamais dit dans aucun verset de la Bible, je suis Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de savants, même et du christianisme, aujourd'hui, la fois passée, même sur le plateau, quelqu'un a reconnu qu'exactement Jésus n'est pas Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devions amener les gens à comprendre d'abord ce fait. Il faut d'abord faire la différence entre l'être humain et Dieu. Ça, c'est la première des choses. Si vous comprenez cela clairement et que c'est bien, maintenant, on est en train de graver les échelons petit à petit pour pouvoir aller véritablement vers ce que nous appelons le salut. Donc, par rapport à ceux qui parlent de Dieu pluriel, il y a un véritable problème. Nous avons des indices dans le Coran. Oui. Pour pouvoir voir clair. Parce que Dieu nous a donné des indices, par exemple, dans la sourate Anbiya, chapitre 21, verset 23, Dieu nous dit ceci, s'il y avait d'autres divinités avec lui, chacun suit. C'est-à-dire, ils seront certainement dans le désordre. Quand Dieu dit dans le désordre, cela suppose que quoi? S'il y a un Dieu pour la pluie, un Dieu pour la sécheresse, il suffisait seulement qu'il n'y a pas mésentente entre les dieux, Dieu de la pluie, lui, retire sa pluie. Les hommes vont vivre comment?
Dieu de la soleil réussit sa sécheresse. Ça va se passer comment? Dieu du soleil dit, bon, aujourd'hui, moi, je ne veux pas que le soleil se lève parce que vous m'avez embêté. Comme il y a une femme au Bénin ici qui se dit, Dieu qui un jour a dit à la radio, mais si vous m'énervez un jour, je peux dire demain, le jour de la résurrection va arriver. Vous voyez, ça c'est de la folie. Ça suppose que du fait qu'on n'a pas enseigné la chose réellement, voilà le problème qui se pose. Dieu, lui, nous a dit ceci. Il est unique, mais il a plusieurs attributs. Mm-hmm. Ses attributs, il peut se manifester à travers ses attributs. Mm-hmm. Il dit, je suis le tout miséricordieux. Oui. Il dit, je suis le miséricordieux. Il dit, je suis le pourvoyeur. Il dit, je suis le souverain. Mm-hmm. Vous avez, il y a beaucoup de ces attributs. Mm-hmm. En islam, nous connaissons 99. Cela ne suppose pas que ces attributs se limitent au niveau de 99. Il y a plusieurs attributs. Voilà, il y a des arbres qui le louent, mais ils ont leur manière de le louer. Absolument. Il y a le soleil, la lune. Même les scientifiques ont découvert la fois passée que même la Terre, le globe, a des grondements. Ça pousse, ça donne certains voix. Mm-hmm. Et ils ont appelé ça comme une manière à la Terre de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu, lui, il est unique, mais il a des attributs. Et c'est ce que les trucs-là nous ont enseigné. Mais quand vous parlez, par exemple, d'un Dieu pluriel, je vous donne un exemple. Dans l'hindouisme, vous demandez à n'importe quel groupe, vous leur demandez, il y a combien de dieux? Ils vont dire, Dieu est unique, mais pourtant, il venait plus de 330 millions de dieux. Oui, absolument, mais si vous venez de 330 millions, imaginez 330 millions de dieux diriger ce monde. Mais c'est un chaos. C'est chaos. Mais il se pourrait qu'il y ait guerre civile entre les dieux. Le problème est arrivé, c'est on est foutu. Est-ce que vous voyez? Ceux qui parlent, par exemple, de Dieu en trois, d'ailleurs, même cela n'a jamais existé. La Trinité, pas un seul verset de la Bible, vous allez voir le mot Trinité. Cela n'existe pas dans la Bible. Lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous n'allez jamais voir un seul verset où il y a le mot Trinité. Et même celui qu'on appelle Rappers Collins, qui a fait dans son dictionnaire, dans son encyclopédie, a bien précisé. C'est un chrétien, savant, grand savant chrétien, il a bien précisé. Il dit, ce mot n'existe nulle part, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Donc la Trinité, c'est grand point d'interrogation. C'est grand point d'interrogation. C'est quelque chose qui a commencé, disons, celui qui a proposé ça, c'était un avocat de Carthage, il s'appelle Tertullien, il a proposé 200, c'est-à-dire en l'an 220. Mm-hmm. C'est la première année où il a proposé. Mm-hmm. Et c'est seulement en 225, sous Constantin le Grand, que cela a été fait quoi? Ça a été développé. Mm-hmm. Et en 381, sous Théodos, au concile de Constantinople, cela a été ratifié. Et c'est devenu maintenant une autorité en 451. Donc, c'est 4 siècles et demi après que le problème de la Trinité s'est posé. Et c'est à 381. Le Saint-Esprit n'a jamais existé. Ceux-là, ils peuvent regarder correctement, la Trinité n'a jamais existé. C'est comme ça l'histoire de la Trinité. Et même eux-mêmes ne nous contredisent pas parce que les écrits sont là. C'est clair et net. Il suffit seulement que le commun des chrétiens aille seulement prendre le livre et lire. Si c'était vraiment une autorité, quelque chose qui pouvait donner le salut, comment quelque chose aussi important qui pouvait donner le salut du prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, il n'a jamais parlé de cela dans la Bible. Il n'a jamais, jamais parlé de cela. C'est vrai que les gens ont beaucoup de versets qu'ils citent, mais Inch'Allah ou Ta'ala, peut-être dans les questions, nous allons les développer ces trucs-là pour qu'ils puissent comprendre réellement. Dans la Bible, il a bel et bien précisé que lui n'est pas Dieu. Lui-même, il l'a dit dans plusieurs versets. Par exemple, dans Jean 17, verset 3, il a dit ceci, ça c'est... C'est un verset que j'appelle un verset qui devait permettre à celui, c'est-à-dire au temps de Jésus, et ceux qui croient en lui, c'est un chemin pour eux d'aller au paradis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh la vie éternelle, aide de te connaître, toi le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Est-ce que vous voyez, comme nous les musulmans, nous disons, il n'y a pas de divinité à part Allah, et Muhammad est le messager de Dieu. Et c'est ce que lui-même il a dit là-bas, il dit, oh la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis, c'est ça le salut. Aide de te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Numéro 1. C'est pourquoi j'ai commencé mon exposé par d'abord l'unicité de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ, que tu as envoyé, juste pour amener les gens à se dire une seule chose. Le jour où tu vas mettre dans ta tête que Jésus a remplacé Dieu, c'est que tu es sorti du cadre de ce verset. Il faut me prendre comme un envoyé de Dieu. Il faut me prendre comme un prophète de Dieu. Celui qui vous a apporté la bonne nouvelle. Celui qui vous a apporté les informations vous permettant de vous rapprocher de votre Seigneur. Et c'est ce que lui, il a été bien. Il y a beaucoup de versets dans la Bible où il a précisé, avec le temps, nous allons citer tous ces versets. Inch'Allah. Absolument. Merci, merci beaucoup, Imam Ayedoul. Et c'est ça, c'est là encore l'autre vérité qu'on aura le temps d'appuyer, de comprendre. Alors, le salut, autrement dit, et tel que vous le voyez aujourd'hui, non pas pour critiquer telle ou telle religion ou pour tel mouvement, mais est-ce que, véritablement, l'homme de par nos comportements, partons de l'élément homme, l'infiniment petit, jusqu'au grand ensemble. Est-ce que véritablement nous travaillons, nous œuvrons pour que ce salut-là soit avec nous ou qu'on atteigne ce salut?
Oui, et alhamdoulilah, vous savez, il y a des gens qui travaillent dur pour que le salut puisse venir. D'ailleurs, même ce que vous et moi, on est en train de faire, c'est déjà un travail pour amener les gens à comprendre le chemin qu'il faut emprunter pour avoir le salut. Il y a des gens qui sont en train de travailler énormément pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent pour ça. Seulement, le problème, c'est que quoi? C'est que de la même manière, il y a une petite minorité qui fait le travail et la grande minorité... Fait un effort pour tirer les gens vers l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir un adage qui dit « il y a plus de mal que de bien ». Ça veut dire quoi? Il y a plus de mal que de bien, justement. C'est à cause de cela qu'on ne voit même pas la qualité des peu de personnes qui font du bien. C'est ça. Parce que plus de mal que de bien, même quand tu dis tu veux faire du bien, tellement il y a de mal que le mal là noie en réalité le peu de bien que les gens font. Par exemple, je vous donne un exemple. L'islam a proposé la zakat. On dit, donnez la zakat. Tous les riches doivent prélever un petit pourcentage de leur richesse. Par exemple, en gros, 1 million, pour 1 million, tu enlèves 25 000, 2,5, ça fait 25 000 francs que tu dois donner à un pauvre. On ne dit pas d'aller forcément loin. Va dans ta famille. Si tu en as beaucoup, enlève la zakat, donne à quelqu'un. C'est ton frère qui est un chômeur, c'est quelqu'un de ta famille. Si ta famille, c'est bon, va maintenant dans ton quartier. Si ton quartier, c'est bien, dans ta ville, ton pays, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens refusent de le payer. Les gens n'en parlent même pas. Les gens ne veulent même pas regarder là. Mais c'est grave. Alors que quand, par exemple, je prends l'une des statistiques qui nous a été arrivée. Quand vous prenez, par exemple, la fondation IRF qui a fait cela, quand vous prenez, par exemple, ces statistiques, les trois hommes les plus riches du monde, s'ils donnent les zakat, ça fait le produit intérieur brut de 47 États plus pauvres dans le monde. 47 États plus pauvres dans le monde, ça fait leur produit intérieur brut. La zakat, de trois hommes plus riches au monde. Et si les 100 hommes plus riches au monde donnent les zakat, plus de pauvres sur cette terre. Je vous dis, si vous prenez le budget des États-Unis pour entretenir les armes, ça fait le budget annuel de la Chine. Le budget, c'est seulement l'argent pour entretenir les armes aux États-Unis, ça fait le budget annuel de la Chine. Mais qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Si nous voulons sauver le monde et que nous voulons que par nos comportements, les gens puissent avoir le salut. Parce que du fait qu'on a refusé de donner cette zakat, on a créé des cambrioleurs, on a créé des bandits, on a créé des prostituées, on a créé tous les différents mouvements que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Même parmi des gens qui font le terrorisme, il y a des chômeurs, il y a des gens qui sont affamés. On les a créés, pourquoi? Parce que nous avons refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Et c'est justement là que je voulais en venir. Parce que la volonté de Dieu nous demande de donner la zakat. Vous refusez, c'est l'enfer. Mais vous donnez, vous avez le paradis. C'est comme ça. Ces riches-là qui ne le donnent pas, le jour de la résurrection, vont faire face à leur Seigneur. Parce que l'argent qu'on t'a donné, tout cela fait partie. La zakat ne diminue pas l'argent. La zakat purifie l'argent comme... Et multiplie. Et multiplie. Voilà. Vous voyez, non? Ça purifie. C'est une bénédiction pour ton argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 25 000 sur 1 million, les gens ne peuvent pas enlever. Pour donner à un pauvre. Nous avons combien de chômeurs au Bénin? Je vous donne encore quelque chose qui va vous sur le plan national. National. Pour chez nous ici. Tout cela je prends par exemple chez nous ici. Oui. 2013-2014. Oui. Statistiques IMS, c'est-à-dire des journalistes d'investigation de Danemark avec le soutien de IMS et aussi avec l'appui du Fonds monétaire international. 2013-2014. L'argent. Que avec inclus la FICC, l'argent que les pasteurs ont enlevé dans la poche de la communauté béninoise, ça fait 155,6 milliards de francs CFA. Bon, comment? Je vous dis, ça fait 155,6 milliards de francs CFA. 155,6 milliards de francs CFA ont été enlevés de la poche des Béninois par les pasteurs de 2013 à 2014 au Bénin ici, mes chers frères. Bon, on a combien? 5,6 milliards. On a combien de chômeurs au Bénin? 155 600 millions. Bon, on a combien de chômeurs au Bénin ici? Le chef de l'État, s'il nous écoute, il peut déjà faire des projections. On a combien de chômeurs au Bénin ici? Calculez! Mais les 155,6 milliards, ça ne peut pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Si nous mettons ça à la disposition des chômeurs, imaginez combien de chômeurs nous allons sortir. Combien de jeunes on va sortir de braquage. Combien de jeunes... Moi, je suis allé dans les prisons pour prêcher. Je sais ce que j'ai rencontré. Beaucoup de ceux-là qui sont dans les prisons, ce sont des voleurs de coqs, de moutons et consorts, des affamés qui sont bien dans les prisons. Qui sont dans les prisons. Mais les voleurs de les vrais voleurs sont dehors. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont donner des quêtes dans l'église et on prend l'argent, on dit qu'ils ont le salut. Impossible, ils ne peuvent pas avoir le salut. Ce sont ceux-là qui sont devant les églises, c'est eux les présidents de l'église. Voilà. C'est eux les telles personnes. Sur qui on se rabat pour faire des choses pour construire cette église. C'est clair. Il a donné par exemple 1016 voilà de construire tu es là tu donnes
Ministère étudiant dans ceci, alors que dans l'église, il y a plein. Je vous dis même ce qui est pire encore, c'est quoi? Et moi, ça me fait mal, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur même, de l'église, le chômeur est là, on lui demande encore, on lui exige encore de payer les quêtes. Alors qu'on sait que la personne n'a pas. Lui qui donne les quêtes, lui, il a l'intention qu'en donnant les quêtes, Dieu va lui donner, va lui multiplier. Mais zéro, jusqu'à la fin du monde, il n'aura rien. À moins qu'il se lève pour aller travailler. À moins qu'il se lève pour vite se réveiller. Si tu as 2000, mon frère, moi, je le conseille tout de suite. Il ne faut pas aller mettre ça dans les quêtes. Pardon, mange tes 2000, programme correctement ton argent. C'est ce que Dieu te demande. Le pauvre, lui, ne donne pas la zakat. C'est aux riches, on a demandé de donner la zakat. Et la Bible a précisé clairement. Le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit celui dans son enseignement, a dit ceci. Il dit, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour que les brebis soient sauvées. Le bon berger, le pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour que les fidèles de l'église puissent être sauvés. Mais aujourd'hui, c'est les fidèles qui donnent leur vie pour que le pasteur puisse être sauvé. Parce que tu vois quelqu'un de rien qui se lève un beau jour et qui dit, bon, allez, c'est fini. Moi, je suis devenu pasteur, j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. Voilà encore un problème. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Voilà encore un autre problème. Bon, avant de revenir sur ça, Imam Adil, c'est de l'autre côté aussi, oui, non pas oui, que nous sommes en train de tirer on va en venir. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai, mais il y a nos frères de l'autre côté aussi, qui ont de ces comportements. Vous venez de dire qu'il y en a qui refusent, qui ne donnent pas la zakat. Mais quand même, à des moments donnés, on va créer des choses, on va faire ce qui ne va pas. On se permet de construire des mosquées, on donne de l'argent pensant qu'on aura le salut. Et ce qu'on fait au cours du carême, où on donne à manger à tout un tas de personnes, tout ça là, sous quel angle vous placez ici? Voilà, vous savez, et même aujourd'hui, j'étais vraiment content avec l'imam, notre imam de la mosquée, aujourd'hui, imam Kabir, il a parlé de cela. Et ça devait attirer l'attention de tout le monde. Parce que quand je parle de la zakat, qui en parle le plus, c'est les musulmans. Les musulmans. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plein de chômeurs musulmans. Plein, je vous dis. Plein de chômeurs musulmans. L'exemple, moi, on était sur ce plateau quand quelqu'un nous a appelé ici. Je ne vais pas cacher son nom, le député Malheros, il nous a appelé ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fondation vous soutient, mais je ne connais pas sa couleur jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. C'est ça le vêtement. Non pas que nous tirons sur. Oui. Mais c'est des comparaisons. Voilà. Effectivement, il a appelé. Il dit qu'il soutient les musulmans, il soutient. Zéro jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Je vous dis, il y en a des deux camps. Mais nous ne sommes pas là pour dire, nous ne prêchons pas, nous sommes en train de prêcher la volonté d'Allah. Nous sommes en train de prêcher la soumission totale à la volonté de Dieu. Je ne prêche pas un homme, je prêche la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur cela, nous tous, on est au même pied d'égalité. Ceux qui se désobéissent, nous sommes obligés de les appeler pour qu'ils viennent sur le droit chemin. Et ceux qui étaient sur le droit chemin, ils sont obligés de se perfectionner pour pouvoir et être gratifié réellement de ce paradis, de peur de ne pas se tromper. Se dire, bon, je suis musulman parce que je m'appelle Adil Muhammad, ou bien ainsi de suite, parce que je l'ai dit toujours. Musulman ne veut pas dire, je m'appelle Adil ou bien Muhammad et qu'on sort, j'ai laissé les barbes. Non, non, ce n'est pas ça être musulman. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Et c'est celui qui se meilleur parmi nous, celui qui se soumet à la volonté de Dieu qu'on appelle musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Hujurat, chapitre 49 au 13e verset, il dit, Ya Yuanas, oh vous les êtres humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons fait des tribus et des nations afin que vous puissiez vous entreconnaître. Le meilleur d'entre vous auprès de moi, c'est celui qui me craint le plus. C'est celui qui craint Dieu le plus. Est-ce que vous voyez? Le meilleur d'entre nous, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la richesse, ce n'est rien. C'est celui qui craint Dieu le plus. Et dans cette crainte, Dieu te dit, sors la zakat de ton argent et donne ça aux pauvres. Quand vous le donnez, quand vous donnez la zakat, ce n'est pas deux choses. C'est qu'on est en train de faire quoi? D'apporter la paix. Parce que qu'est-ce que nous appelons la paix? Quand on parle du salut, on parle de la paix. Comment nous pouvons la voir si nous ne réglons pas d'une manière pratique ces problèmes? Je vous donne un exemple. Vous vous levez, vous créez des spectacles. Et venez, on va vous guérir. Venez, on va vous faire ceci. Venez, on va vous faire ceci. La personne cotise, il vient. Ok, vous prenez, vous faites, il repart à la maison. Parce que le problème l'attend au portail. Hein. Vous le jouez, la guitare, la musique, il danse, il se met en joie, il oublie 5 minutes, son problème, il sort du portail. Le problème dit, bon, mon frère, je suis encore là, on y va. Et tu portes encore mon habit, ça continue. Non, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit la croyance d'abord, l'unicité de Dieu. Nous sommes déjà d'accord. Dieu pluriel ne peut pas sauver le monde. Dieu en toi ne peut pas sauver le monde. L'unicité de Dieu, les scientifiques l'ont dit, ne contredis pas le Coran, c'est bon. Après cela, maintenant, nous allons à la pratique. La foi doit se manifester avec la pratique. C'est pourquoi dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed Sallam, c'est-à-dire la sunna veut dire les comportements du prophète, c'est-à-dire c'est un ensemble de vie du prophète. Le prophète a été clair. Ils nous ont enseigné. Les savants nous ont enseigné. La foi se repose, la vraie foi se repose sur trois éléments.
la bonne parole avec la bouche, la bonne croyance avec le cœur et les bonnes actions avec la main. La foi, ce n'est pas simplement, non, moi je crois en Dieu et c'est dans mon cœur, et la femme se met nue en circulation, en train de marcher, dit non, j'ai la foi, je crois en Dieu, Dieu lui-même sait les problèmes que j'ai. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu sait effectivement le problème que tu as. C'est lui qui t'a créé et t'a dit obéis à ma volonté. Si tout le monde obéissait à la volonté de Dieu, la paix c'est terminé. Il n'y a plus de problème, nous avons la paix. Mais c'est parce que d'autres personnes ne veulent pas. Et j'ai même l'intention, c'est-à-dire, je pense même qu'ils savent la vérité, mais ils refusent. Ils se la refusent et ils veulent toujours avoir la suprématie. Ma richesse n'a pas le droit de diminuer. Et mon honneur, mon ceci, mon cela. Mais ton honneur et l'honneur de l'autre qui est à côté de toi. Et l'honneur de l'autre qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu penses que c'est toi, ta femme et tes enfants et les autres qui sont à côté de toi. Oui. Mais non, ne refuse pas. Comme tu veux, c'est là. Ok, tu as monopolisé tout. Tu ne donnes pas la zakat. Tu ne plies pas. Tu désobéis à la volonté de Dieu. Ne refuse pas aussi que le cambrioleur t'arrête sur la voie et te fusille pour prendre ton argent. C'est là le problème. Parce que l'enfant, le jeune qui est devenu cambrioleur est devenu comment? Les statistiques nous montrent tout. Il y a parmi eux d'autres qui ont grandi soit sans avec l'absence de l'un de ses parents. On dit la majorité des enfants qui font des désordres, soit il a grandi soit sans la présence de son papa, ou bien la présence de sa maman. Donc ça a joué sur lui. Qu'est-ce qui a amené cela? Aujourd'hui, nous savons cela dans la circulation. Toi, tu es riche. Toi, tu es beau garçon. Ou bien tu es ceci. Tu vas coucher avec la femme d'autrui. Ce n'est pas que la femme n'aime pas son mari. Il aime son mari, mais il couche avec toi parce que tu as identifié en eux que c'est des gens qui ont des problèmes. Tu lui proposes de l'argent, tu l'attends. Elle accepte juste pour avoir quelque chose. Le mari la surprend en cause de cela. Tu as cassé deux amours. Mais n'oublie pas, quand tu les as cassés, quel problème continue? Voilà. Tu as divisé des cas sociaux. Tu as divisé deux grandes familles parce que l'autre famille et l'autre famille ne veulent plus se voir à cause de cela. S'ils travaillaient ensemble, problème. Tu as créé beaucoup de problèmes dans la circulation. Maintenant, comment tu veux que la paix vienne en ce temps? C'est pour cela que l'islam a interdit l'adultère. C'est pourquoi l'islam a refusé beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'ensemble de nos pratiques. C'est un mode de vie que nous devions adopter pour pouvoir être gratifiés de ce salut. Le salut, ce n'est pas la bouche simplement. Ce n'est pas on va rester quelque part pour dire non, il faut venir recevoir le Saint-Esprit. Non. Montrer que c'est un ensemble de comportements. C'est moi qui ai fait. Voilà. C'est-à-dire, le matuvisme. Voilà. Et c'est un ensemble de comportements que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa religion, nous a enseigné à travers tous ses prophètes pour nous montrer. Par exemple, Allah nous dit dans la sourate Ankabut, chapitre 29, verset 45, il dit ceci, la prière vous préserve du turpitude et du blâmable. La prière vous préserve du turpitude et du blâmable. Parmi cela, il faut analyser. Quelqu'un qui va poser sa face 5 fois par jour, même s'il est président de la République, mais il y a une crainte qui casse son ego. Il y a une crainte qui l'amène à se rabaisser. Il y a une crainte à travers la prière qui l'amène quand même à se dire, quand même il veut prendre des décisions, il se dit, mais attention, je me prosterne à qui réellement? Je me prosterne à un Seigneur. Et si je m'humilie devant lui, pourquoi dans cette décision égoïste que je veux prendre, je ne peux pas me rappeler qu'il est en train de me voir. Si aujourd'hui, moi, j'ai pouvoir sur ceux-là, mais c'est parce que Dieu le veut. Il se pourrait que demain, il sait, même personne n'a pouvoir sur moi. Absolument. Nous avons le constat ici. Oui. Un groupe politique vient, il dirige le pays. Quand il part, l'autre vient, il cherche à massacrer l'autre parce qu'il y a des règlements de compte. Pourquoi tous ces règlements de compte, la crainte de Dieu, il n'y en a pas. Et sans cela, nous ne pouvions pas gratifier du salut. Je vous dis, le salut, ce n'est pas une affaire de bouche simplement. C'est une affaire qu'il faut développer pour que les gens puissent voir. Et cela se trouve dans le Coran, dans la Bible, dans beaucoup de livres. La logique même l'accepte aujourd'hui. Et tout est bien clair. Par exemple, si je prends le comportement des prophètes, je vous donne un exemple. Une femme dit, je vais avoir le salut. Une femme dit, moi je vais avoir le salut. Elle dort à l'église. Elle dort partout, dans la mosquée, partout, je ne sais pas, n'importe où, dans les trucs de prière, les systèmes, tout, c'est elle qui est dedans. Elle veut avoir le salut. Mais qu'est-ce que les livres disent de la femme? La Bible, le Coran, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elles disent d'abord, avant même de prétendre être en train de marcher sur le chemin du salut, avant de prétendre être en train de rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'elle est chrétienne, ok, ministre, non? Et elle porte la croix, ainsi de suite. Est-ce que la Bible a autorisé la croix? Parce que c'est le pasteur qui m'a dit de porter la croix. Et bon, et on l'amène à l'église, tu as le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle-même qui est tombée, posez la question à toutes les femmes qui tombent au Bénin ici, dans les églises. Si elle a jamais, ça dit, comment elle a su qu'elle a le Saint-Esprit? Et puis c'est le pasteur qui lui a dit, elle ne sait même pas, elle est tombée, elle s'est réveillée seulement, et on dit, tu as eu le Saint-Esprit. Elle ne sait pas, c'est une personne qui lui dit, tu as le Saint-Esprit, elle-même ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait tomber. Ça, c'est une autre parenthèse. Maintenant, ces femmes-là, qu'est-ce que la Bible elle-même dit de Dieu? Qu'est-ce que le Coran dit de la femme? Toi qui dors à la mosquée, qu'est-ce que le Coran te dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand je prends par exemple la Bible, du fait que je suis chrétien, c'est que je crois en ce livre, que c'est un livre qui est venu de Dieu.
C'est comme ça pour le chrétien. C'est pour Dieu, c'est sur ça, on met ça ici, on dit non, Jésus vous aime, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que elle, la Bible elle-même dit de la femme? Par exemple, la Bible dit, par exemple, de la femme. Deutéronome 22, verset 5. La femme n'a pas le droit de porter les habits de l'homme. L'homme n'a pas le droit de porter les habits de la femme. C'est une abomination auprès de Dieu. Ok, la femme maintenant porte une jean, un habit de l'homme. Elle est en truc là, elle est allée devant le pasteur. Elle est tombée, on dit qu'elle a le Saint-Esprit. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit en portant des choses abominables auprès de Dieu? Point d'interrogation. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, de 5 à 6, la femme a le droit de porter le voile. Ça veut dire quoi? Une femme qui ne se voile pas a le droit de raser la tête. Du fait que ce n'est pas bon à la femme de raser la tête, elle n'a qu'à alors se voiler. La femme d'aujourd'hui, elle reste comment pour aller à l'église? Ça, c'est le deuxième. Marie, quand vous regardez la photo de Marie, la prétendue photo de Marie, vous voyez, elle porte toujours le voile. Si Marie devenait aujourd'hui, ils vont dire que c'est une femme terroriste du fait qu'elle porte le voile, parce qu'elle ne va jamais marcher avec les femmes chrétiennes avec mèche. Elle va marcher avec les femmes musulmanes qui portent le hijab, parce que c'est clair, la photo est là. Ça, c'est un autre aspect encore. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, de 9 jusqu'à 14, la femme n'a pas le droit de se parer de l'or, ni du diamant, ni des perles. Elle n'a pas le droit de porter des habits somptueux. Elle n'a pas le droit de marcher. Elle doit le droit de marcher avec et modestie. La femme n'a pas le droit de prendre la parole dans l'église ni dans l'assemblée. Imaginez ce que la Bible a dit. Si les femmes chrétiennes devaient se baser sur cette croyance, mais c'est en ce temps-là qu'elles vont commencer par parler du salut. Mais vous oubliez tout cela. Et vous dites que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Et vous oubliez tout cela et vous dites que vous avez le salut. Quelle forme de salut? Ça vient d'où? Qui a créé ce salut-là quand vous désobéissez à ce que votre propre même Bible dit? Le Coran nous dit par exemple dans la sourate Azab, chapitre 33, verset 59. Le Coran nous dit ceci. Ô prophète, dis à tes filles, à tes femmes, aux femmes des croyantes et aux filles des croyantes, de rabattre leur grande voile sur elles afin de se faire identifier et d'éviter de se faire offenser. Aujourd'hui, nous n'avons pas les preuves qu'une femme, aujourd'hui, qu'est-ce que, même aux États-Unis, il y a une ville où aujourd'hui on demande que si jamais on voit les parties honteuses de la femme, elle doit payer 100 dollars. Il y a aujourd'hui, même notre constitution ne prévoit pas cela. Quand une femme et porte des choses extraordinaires, c'est pas ça, on appelle au trans public, ils ont un mot là qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, c'est dedans. Mais la loi n'a jamais été appliquée, c'est normal, parce qu'on voit aujourd'hui ces mêmes filles-là qui portent des choses comme ça, là, qui les excitent eux-mêmes. Et c'est là le problème. On n'applique pas. Aujourd'hui, regardez à l'école. On dit le kaki, mais subhanallah, ce n'est pas vrai. Vous voyez la fille, elle est à l'école avec son kaki, le kaki est en haut du genou, le professeur est devant, la fille elle est là, elle a un kaki, les genoux. Le professeur est là, il est venu donner son cours, la tenue kaki bien cintrée, qui dessine toutes ses formes. La forme. Maintenant le monsieur il est là, il est en train de faire truc là, fin de l'année on dit problème grossesse. Chez nous là-bas, il y a une petite ville là, vers chez nous là-bas. Problème, on leur a parlé, ils ont dit qu'ils ne veulent pas accepter. Les filles doivent se coiffer, ils doivent faire ceci, ils ont amené préservatif, ils ont parlé de tout. Ils ont, à la fin de l'année, 200 filles enceintes. 200 filles enceintes. Parmi eux, il y a des professeurs qui ont enceinté. Tout le monde, 200 filles enceintes, à la fin de l'année. Majoritairement des filles chrétiennes. Bon, c'est ça le problème, quand vous refusez. Alors que l'islam est très simple. L'islam a dit ceci. Est-ce que oui, l'islam a dit quoi? Oui, a dit, pour éviter tout cela, séparer les filles et les garçons dans les classes. C'est simple. Moi, je me suis toujours posé une question. Le fait de séparer les filles et les garçons va poser quoi comme problème aux êtres humains? Ça va poser quoi? Aujourd'hui, nous avons des écoles, hein, des foyers des jeunes filles. Au Bénin ici, nous savons que les foyers des jeunes filles au Bénin ici, ce sont des écoles qui donnent de meilleurs résultats en matière des femmes, en matière des filles. Les filles travaillent là-bas comme ce n'est pas possible. Chaque année, nous avons de très bons résultats dans ces écoles. Est-ce que le fait qu'elles ne sont pas ménagées avec les hommes, ça les a empêchées d'être intelligentes? Non! Est-ce que cela veut dire qu'elles ne vont pas se marier? Non! Est-ce que cela veut dire qu'elles ne sont pas jolies ou bien n'ont pas leur beauté? Non! Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés pour nous faciliter le chemin du salut et éviter de tomber dans les pièges du diable, nous a bien tracé le chemin pour nous dire ça fait partie des choses qui vous amènent vers l'enfer. Parce que la fille, elle n'est pas mariée, elle est enceinte. Elle est enceinte, elle va faire des enfants. Quand vous regardez aux États-Unis, 8% des filles américaines ont déjà eu un enfant déjà à partir de 15 ans. Parce qu'on pense que les États-Unis ou bien ces pays-là nous enseignent ce qui est bien consort. Allez-y chez eux pour voir ce qui se passe. 15 ans, 8% des femmes aux États-Unis, 15 ans déjà ont déjà des problèmes. Avant de traverser le collège, tous sont déjà déviergés. Il n'y en a même pas 100%. C'est chez nous ici, on trouve encore 1% ou 2% avant de finir le collège. Sinon, majoritairement, nos filles sont déviergées déjà avant. Mais quelle est la bénédiction de l'homme qui veut l'épouser?
Aujourd'hui, combien de femmes sont dehors parce qu'elles ont d'enfants, personne ne veut les épouser. On veut faire du désordre avec elles, mais on ne veut pas les épouser. Parce que Dieu a mis en l'homme un certain type de jalousie qui l'amène toujours, quand il pense, il se rappelle un temps soit peu que quelqu'un est passé là avant que lui ne vienne. Même si la femme l'est dans sa chambre, un jour ou deux jours, quelques jours ou bien quelques instants, ça revient. Et quand ça revient, ça crée tellement de dégâts qu'on ne peut pas imaginer. Voilà ce qui est déjà passé. Il n'a pas payé la dot, il n'a rien fait. Les parents ne le connaissent pas. La fille vient jouer avec grossesse alors que le papa se chie matin, midi, soir, va chercher de l'argent parce que je veux que ma fille devient quelque chose. Et le résultat, c'est grossesse. Pourquoi? C'est lui-même qui a la base parce qu'il n'a pas œuvré, il n'a pas lutté pour qu'on puisse séparer les filles et les garçons. Séparons les filles et les garçons dans les écoles. Nous n'avions aucun problème. L'homme... Est-ce que vous ne voyez pas là que c'est la mondialisation? Peut-être vous allez dire, voilà, ça fait partie des problèmes. Mondialisation, sous quelle forme? Sous quelle forme? Est-ce que vous pensez, ou bien autrement, j'aimerais reposer la question... Pensez-vous que c'est la solution au problème, séparer les filles, cette séparation? Est-ce que vous ne pensez pas que vivre en société tout en surpassant, en se maîtrisant, est-ce que ce n'est pas la meilleure solution? Voilà. Séparer les filles, les femmes, etc., comme ça se fait, ce n'est pas une autre dimension qu'on voudrait donner à ce monde que nous vivons. Et vous savez... Avant de parler de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est une idéologie, ça a une idée cachée. Qu'est-ce que nous voulons de la mondialisation? Demandez à tous ceux qui propagent cette idéologie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont vous dire, nous voulons un village planétaire. La mondialisation, c'est-à-dire, selon eux, veut simplement dire, nous tous, nous allons regarder la même direction. La mondialisation veut dire, nous tous, nous allons parler, c'est-à-dire, nous allons parler la même langue. Parce que les choses évoluent. Voilà. Les choses changent. Vous savez, la nature aussi évolue. Voilà. Oui. Vous savez, Dieu qui nous a créés, il nous a créés, c'est lui qui nous a programmés. Je vais vous donner un exemple. Oui. Quand vous prenez l'être humain sur cette terre, l'être humain debout, l'être humain, il y a ce qu'on appelle, dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle un type de cellules. Oui. Est-ce que vous avez vu, dans l'être humain, on dit les cellules humaines. Hein, une cellule humaine, ou bien, je ne sais pas, ça a un mot, ça m'échappe, sans quand ça va venir, je vais vous parler de cela. Hein, c'est dans l'homme. On dit le fonctionnement de ce petit truc-là, ça dépasse le fonctionnement de tout un État, de tout un pays. C'est-à-dire, ça dépasse le fonctionnement de la plus grande ville du monde entier. C'est-à-dire, d'une ville comme, par exemple, New York, le fonctionnement. Il n'y a pas un scientifique qui a pu créer ces cellules humaines-là, qui est dans l'être humain. Mais l'être humain en a plus de 50 milliards. Mais il n'y a pas les scientifiques qui ont pu créer un. Mais l'être humain en a plus de 50 milliards. Qui les a programmés et qui les gère? Si ce n'est pas l'être suprême, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, lui, qui nous a créé l'être humain comme il veut et il a programmé et il sait déjà qui nous sommes. Je vous dis, depuis que les gens sont en train de parler de la mondialisation et de l'évolution, qu'il faut que nous vivions ensemble, ils ne sont jamais à régler ce simple problème-là où les filles doivent toujours tomber. Je vous dis, ça va toujours exister. D'autant plus qu'il y a cet instinct. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci. Là où vous voyez la femme d'autrui et l'homme d'autrui sont debout, ensemble, le troisième qui les accompagne, c'est Satan. Parce que c'est lui qui commence maintenant par donner la qualité de l'autre à l'autre. Les pousser jusqu'à aller tomber dans l'adultère que Dieu lui ne veut pas. Parce qu'il faut aller à la finition de cet ensemble que nous voulons. La finition de cet ensemble-là, est-ce que c'est... Ça nous amène dans le bon côté ou bien dans le mauvais côté. Vous prenez par exemple le Mexique. Chaque 7 minutes, une femme doit se faire violer. À cause de quoi? L'habillement et le mélange. Parce que la femme, elle porte des choses qui ne sont pas bien. Allez au Brésil, regardez ce qui se passe. À chaque truc-là, ils sont entêtés. Par jour, on viole. Aux États-Unis, même chose. Chaque jour, on doit violer une femme. Pourquoi? L'habillement. Parce que quand on demande au violeur qu'est-ce qu'il a attiré sur la femme, là, c'est toujours les parties honteuses qu'elle a laissées. Et après ça, vous les avez mélangées. Si chacun était de son côté, il va y avoir le temps de voir quoi. Dieu, par exemple, nous a dit dans la sourate, nous, chapitre 24, verset 30, « Oh, vous les hommes pieux, quand vous marchez, rabaissez votre visage afin de garder votre chasteté. » Il dit « Rabaissez vos visages afin de garder votre chasteté. » Les savants nous ont expliqué, dit, mais quand tu rencontres une femme qui doit t'attirer sexuellement, tu baisses le visage pour pouvoir traverser. Sinon, tu persistes, tu envoies seulement le message à ta tête. La tête, lui, il installe son bureau, il commence par analyser, il envoie aux membres pour lui dire, bon, vous avez le dossier est déjà arrivé, il faut utiliser tel moyen pour pouvoir atteindre le but. Finalement, les membres se déplacent pour pouvoir créer ces moyens-là. Et finalement, on va là-bas et puis, ça finit comment? Ça finit sur ce que Dieu ne veut pas.
Mais quand tu rabaisses le visage, tu coupes en même temps avec le dossier ne peut plus aller là-bas, et tu as sauvé, tu t'en vas, et c'est fini. Est-ce que vous voyez, Dieu qui nous connaît, nous a déjà donné tous les moyens pour pouvoir vivre. On n'a pas besoin forcément de ce mélange. Nous, par exemple, en islam, nous montrons cette démonstration. La mondialisation, aucune nation au monde n'a jamais fait la démonstration de la mondialisation si ce n'est pas les musulmans. Une fois par an, quand vous allez à la Mecque, il y a plus de 4 millions de personnes. Toutes les nationalités confondues sont là. Quand ils font le tawaf, mais il n'y a pas la femme, à part l'homme, à part. Tout le monde se mélange pour faire le tawaf. Parce qu'aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous sommes même, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui connaît Dieu le plus. Mais dans les mosquées, on est séparés. Parce que, supposons, une femme imam est en train de diriger la prière, un homme derrière qui désire la femme. La concentration, c'est parti. Si elle est là en train de diriger la prière... Ça veut dire que lui n'est pas venu pour prier. Non, ça veut dire qu'il n'est pas venu. Il est venu pour prier, pour vous contempler. Oui, oui. Contempler, oui, bien. Contempler la douce. Donc, ça veut dire qu'il vous savez, pas, vous savez, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas en nous. Oui. Vous savez la chose, oui. C'est que tous les jours que Dieu fait, l'homme libère des cellules, c'est ciel qui ne peut pas contrôler. La seule chose qui peut te permettre de contrôler cela correctement, un peu, si je peux le dire ainsi, selon les scientifiques, c'est de jeûner. Si tu jeûnes, on dit celui qui arrive à maîtriser son ventre peut maîtriser le reste de ses membres. C'est de jeûner. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, nous a déjà parlé de cela avant que les scientifiques ne viennent. Il dit, quand par exemple un jeune qui n'est pas marié ressent beaucoup de désir, il dit qu'il faut jeûner. Parce que quand tu arrives à maîtriser ton ventre, tu peux maîtriser le reste des trucs. Combien de personnes peuvent jeûner pour pouvoir maîtriser la femme qui est en train de diriger la prière devant lui? Bon, elle dirige la prière, trouve ses règles. Elle va nous amener dans la prière pour sortir. Elle dit la prière, peut-être elle est enceinte, elle commence pas à sentir les contractions. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est impossible, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous savez, ce n'est pas qu'on est contre du fait que nous soyons ensemble. Non, l'islam n'est pas contre. Mais c'est les conséquences qu'il faut toujours mesurer dans les décisions que nous prenons. Si par exemple, moi, je suis là, je suis marié, je suis avec ma femme. Vous m'avez invité, je peux venir avec ma femme chez vous, avec votre femme, vous en êtes à table, on mange. Est-ce qu'on n'est pas ensemble? On est ensemble. Mais du fait que vous voulez mettre une fille et un garçon à l'école, la FMI, si on vous dit le budget qui vote chaque année pour pouvoir lutter contre ce fléau qui ne marche jamais, la Banque mondiale, les gens font tout, même l'État béninois, on fait tout. Ils ont dit les filles n'ont qu'à raser la tête, ils n'ont qu'à faire cela. Mais ça persiste toujours. Je vous dis, ça persiste toujours. Il n'y a pas une année où ils ont dit que le taux a baissé. Le taux monte toujours. Pourtant, on finance. On parle de la mondialisation, on parle de l'abstinence. Ils ont amené même les préservatifs. Et c'est les préservatifs même qui ont créé encore plus de problèmes. Parce que quand ils ont amené le préservatif, la fille qui ne voulait pas, qui voulait rester vierge, et l'homme qui ne voulait pas de peur de grossesse, elle finit par dire, moi, il y a le préservatif, on n'a pas de problème, tu ne vas pas tomber enceinte, ça peut aller. Finalement, pour les punir, pour montrer que cela peut changer, le préservatif s'éclate et grossesse vient toujours. On a 200 filles avec des préservatifs. Et parce que des fois aussi, ça peut les prendre où ils ne vont même pas penser au préservatif. Il y a même d'autres qui n'ont même pas 100 francs pour manger, pourtant ils veulent aller à l'acte sexuel. Par conséquent, où est-ce qu'il va avoir l'argent pour aller payer le préservatif? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. La meilleure des choses à faire, c'est d'abord de penser à la paix. Nous voulons avoir le salut. On ne peut pas avoir le salut dans le désordre. Les gens qui volent 155,6 milliards ne peuvent pas nous donner de salut. C'est impossible. C'est impossible. Il faut avoir, par exemple, la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Jacques 4, au verset 7, la Bible nous dit ceci. Il dit, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Vous lisez, regardez le verset. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Résistez au diable. Et c'est fini. Vous avez gagné. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. En arabe, ce mot soumettez-vous à la volonté de Dieu veut dire islam. Résistez au diable. Le verset continue, il dit résister au diable. C'est qu'après avoir accepté la soumission totale à la volonté de Dieu, tu dois aussi résister au diable en ayant quoi? L'endurance. Et c'est ça, fait partie aussi des versets du Coran qui parlent du salut. Par exemple, dans la sourate Asr, la sourate au chapitre 103, de 1 jusqu'au dernier verset, nous dit ceci. Wal Asr, par le temps, l'homme est vraiment en perdition. Sauf ceux qui croient, font de bonnes actions, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement à l'endurance. Tu respectes les quatre là, Inch'Allah ou Ta'ala, tu es au paradis. La croyance, ferme, s'enjoignent, c'est-à-dire les bonnes œuvres. La croyance se manifeste à travers, tu manifestes cela avec les bonnes œuvres. S'enjoindre mutuellement à la vérité, ça veut dire quoi? Appeler les gens sur le droit chemin, parler de droit chemin aux gens comme ce que nous sommes en train de faire, appeler le monde à connaître le droit chemin et maintenant s'enjoindre mutuellement à l'endurance. Dans les problèmes de difficulté, dans les périodes de difficulté, dans les périodes de soucis, nous devions nous entraider, nous devions
avoir l'endurance. Nous devons avoir la patience de pouvoir traverser. Parce que les épreuves ne sont pas là parce que Dieu ne t'aime pas. Les épreuves ne sont pas là pour te faire échouer ou bien pour t'envoyer ou bien c'est toi le nul. Non, les meilleures personnes les plus éprouvées au monde, c'est justement les prophètes. Il n'y a pas un être humain au monde qui est plus éprouvé que les prophètes. Est-ce que c'est parce que Dieu ne les aime pas? Non, c'est pour nous donner de modèles. Parce que dans les épreuves, Dieu te pardonne les péchés. Dans les épreuves, tu peux te purifier. Les épreuves ne sont pas là pour nous jeter, non. Celui, on dit souvent, qui aime bien châtie, bien. Donc cela ne veut pas dire que celui, quand Dieu t'amène les épreuves, il y a plusieurs formes d'épreuves. Il peut y avoir des épreuves parce que tu désobéis à la volonté de Dieu et Dieu te soumet aux épreuves pour pouvoir te ramener sur le droit chemin. Il y a des épreuves aussi pour pouvoir montrer aux yeux de l'humanité la puissance de ta foi, comme l'épreuve du prophète et Ibrahim, que la paix de Dieu soit sur lui quand il voulait le jeter dans le feu. Il était le seul musulman, le seul obéissant à la volonté de Dieu sur toute la terre. Il avait entre 14 et 15 ans. Mais il n'a jamais accepté, même si son propre papa était du côté des Mécréens, on le forçait, il n'a jamais accepté. Mais devant le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Allah me suffit, il est mon protecteur. Et ils l'ont jeté dans le feu est devenu le paradis pour lui, le feu est devenu douceur pour lui, le feu est devenu un jardin pour lui. Et c'est cela aujourd'hui, nous appelons tout le monde, de savoir que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans les épreuves. Si quelqu'un dit non, tu comme parce que tu as les maux de tête, non c'est fini, parce que tu es... Non. Nous ne pouvons jamais vivre sans les épreuves. Dieu nous dit ceci. C'est partie de la vie. De la vie. Dieu nous dit, par exemple, dans la sourate Bakara, chapitre 2, verset 155, il dit, nous allons vous éprouver par un peu de diminution de biens, un peu de faim, un peu de diminution de personnes, ainsi de suite. La maladie, tout et tout, ainsi de suite. Si tu veux passer, par exemple, tu veux passer le bac, mais il faut savoir que pour passer le bac et aller en classe supérieure, c'est que tu dois travailler, tu dois traverser des épreuves avant d'aller en classe supérieure. Et les épreuves du bac ne sont pas plus difficile que, par exemple, de passer le master ou bien passer le doctorat, ainsi de suite. Parce que le master, le doctorat et consort, les frais que tu vas payer, c'est encore plus élevé. Et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est aussi une épreuve. Tu dois chercher les moyens pour pouvoir traverser ces épreuves-là. Mais quand tu les traverses, tu es honoré. Quand tu les traverses, tu gagnes. Celui qui ne traverse pas, il a des problèmes. Donc, c'est comme ça la vie. On ne peut pas vouloir entrer au paradis et on va dire non, on va s'asseoir à la maison. Donc, c'est la paix matin, midi, soir. Non. Ça dépend de comment tu traverses tes épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné des exemples sur les prophètes pour pouvoir nous permettre de savoir comment lui, il a programmé l'être humain. Comment la terre marche. Comment les êtres humains doivent marcher pour pouvoir gagner réellement le salut. Donc, le salut, c'est tout cela. Pour pouvoir gagner le salut, tu vas traverser des épreuves, c'est clair. Pour pouvoir gagner le salut, tu dois lutter, tu dois avoir la foi ferme. La première des choses, c'est l'unicité de Dieu. Sur tous les aspects. Si jamais ça s'entache de quelque chose, tu es foutu. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans le livre de Galates 3, verset 13, qui dit ceci. Christ nous a racheté de la malédiction de la mort, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, quiconque est pendu au bois est un homme maudit. Je vous répète le verset, doucement. Christ nous a racheté de la malédiction de la mort, étant devenu malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, quiconque est pendu au bois est un homme maudit. Bon, aujourd'hui maintenant les gens portent la croix pour dire qu'ils chassent le diable avec qui vont avoir le salut. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible? Parce que la Bible nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Parce qu'il a écrit quiconque est pendu au bois un homme maudit. Non, il a dit, c'est comme si vous faites le procès. Le procès. Non, je ne fais pas. Non, non, que non, Dieu me pardonne. Parce que c'est en cela qu'il croit. C'est en cela qu'il croit. C'est la croyance, c'est en cela qu'il croit. Oui. Et vous ne pouvez pas lui interdire. Vous ne pouvez pas le lui interdire. Non, en cela. Oui. Mais ça veut dire que vous n'acceptez pas aussi. Les nôtres, nos cultures endogènes, par où nos cultures endogènes, nos réalités endogènes, où est-ce que vous les placez? Voilà, d'abord je vais vous dire quelque chose. Oui. Et ce n'est pas que je n'accepte pas les autres, je les accepte trop. D'ailleurs, même j'ai mes parents, ma propre mère n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Donc je vis matin, midi, soir avec elle, je vais même dormir là ce soir. Donc ça, ce n'est pas encore, je ne fais le procès de personne. Je lis les versets de la Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est eux-mêmes, c'est leur Bible. Ils peuvent appeler tout de suite pour dire, non, le verset veut dire, c'est à eux de s'expliquer. Parce que le verset est là. Parce qu'ils nous disent qu'ils ont le salut, les autres n'ont pas le salut, c'est eux seuls. Et si vous dites que c'est vous et seuls qui avez le salut, c'est que on doit quand même s'entendre pour pouvoir voir qu'est-ce que vous appelez le salut. Vous voulez que moi j'ai le salut. Vous m'amenez la chose. Je dois lire pour attirer votre attention, pour que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe. Maintenant, quand vous parlez des cultures endogènes, vous savez, il y a un problème. Nous tous, nous acceptons que nous venons de notre papa Adam et de notre maman Ève. En tout cas, c'est comme ça dans toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui nie cela. C'est que nous sommes venus d'eux.
C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que nous venons de singes, ainsi de suite, pour développer ça. Aujourd'hui, même les évolutionnistes ont déjà de même. Comment Darwin, même qui a amené la théorie, après, il a dit non, c'est une théorie, ce n'est pas une vérité. J'ai amené cela pour expliquer. Parce que vous n'allez jamais arroser une brique pendant 100 ans pour que ça devienne maison lui-même. Non, c'est impossible. Donc, le singe ne va pas devenir l'homme. Ça, c'est impossible. Et vous savez, est-ce que ces cultures-là que nous avons aujourd'hui, les fétiches, tout ça-là que nous avons aujourd'hui, est-ce que réellement, à la base, c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. Quand vous allez plus loin, on se limite seulement au 16e ou au 17e siècle où ces trucs-là sont venus de chez nous ici. Et deuxièmement, je voudrais vous donner, attirer votre attention sur une chose. Vous avez parlé que, vous avez dit quelque chose au départ pour apprendre la connaissance dans l'évolution. On est dans tout. Oui. Vous savez, les scientifiques, quand ils voient ces trucs-là, ils se moquent de nous. Vous savez pourquoi ils se moquent de nous? Dieu lui-même a déjà dit cela. Toi-même, tu as pris du sable. Tu as façonné quelque chose qui est là. Tu dis que la chose te donne la pluie, te protège contre peut-être les problèmes de la pluie. Lui-même, il est là, il ne peut pas se protéger contre la pluie. Et comment il peut te protéger, toi, contre la pluie? Il est là debout. Le soleil le frappe, il ne peut pas se protéger contre le soleil. Mais toi, il te protège contre les problèmes de l'accident. Alors que si une voiture braque sur lui, il va le cogner, il va l'écraser. C'est là le véritable problème. C'est un problème de logique et c'est un problème d'idéologie. Et Dieu lui-même, il nous dit, mais c'est quoi? Vous ne méditez pas. Il dit, vous ne réfléchissez pas. C'est ce que Dieu nous dit chaque fois dans le Coran. Et c'est ça qui fait même la beauté de l'islam. Dieu appelle les gens à réfléchir. Il appelle les gens à méditer. Le Coran n'est pas là seulement dit, c'est un dogme, c'est... Non, il faut prendre... Non, 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 non. Dieu lui-même, il met en défi l'humanité tout entière de produire même un seul sourate du Coran. Et ça existe depuis, ça existe aujourd'hui et ça existera jusqu'à la fin des temps. Parce que le Coran, c'est jusqu'à la fin des temps. Dieu dit, je vous mets en défi. Ça veut dire quoi? Il nous appelle à la recherche de la science, à réfléchir, à méditer, à voir, à éclaircir, à regarder de fond en comble. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais comment se fait-il que j'ai quelque chose? Moi-même, j'ai fabriqué et je me prosterne à la chose. Comment se fait-il ce que j'ai pris? C'est comme là où vous êtes maintenant. Hein? Là où vous êtes. Hein? Alhamdoulilah, vous construisez votre maison, ainsi de suite, vous finissez maintenant et vous commencez par adorer votre propre maison. Je suis sûr qu'un jour ça viendra, vous allez vous poser la question. Mais mon frère, la maison-là, moi j'ai souffert jusqu'à pouvoir le conseiller, maintenant lui devient mon Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous a pas créé pour vous prosterner aux choses qu'il a créées. C'est pourquoi Dieu, dans la Bible, a été clair. Vous n'avez pas le droit, dans le livre de Deutéronome, il dit ceci, vous n'avez pas le droit de vous faire des représentations avec des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont dans la terre, des choses qui sont dans les eaux. Vous n'avez pas le droit de vous prosterner devant eux. Vous n'avez pas le droit de les adorer parce que je suis un Dieu jaloux et je n'accepte pas cela. Parce que tout ce qu'il a créé dans les cieux, sur la terre, partout, l'adore au même niveau que toi. Ils sont tous soumis à la volonté au même niveau que toi. Je vous donne un exemple. La période des mangues, est-ce que les fruits vont sortir? Est-ce que les orangers vont sortir? Non, chacun attend. Le soleil sort dans la journée, la lune, lui, vient la nuit. La terre tourne et la position qu'il prend pour tourner, il n'a jamais changé. Le soleil n'a jamais changé de direction au Bénin ici. D'autant plus que quoi? D'autant plus que tous, ils se soumettent à la volonté de leur Seigneur. On n'a jamais vu le lion un lion qui a mis un enfant au monde. L'enfant est grandi pour devenir un léopard. C'est impossible parce qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Le soleil, c'est un musulman parce qu'il se soumet à la volonté de Dieu. La lune, tous ces éléments-là, Dieu les a créés. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont au même niveau. C'est-à-dire, ils se soumettent tous au même niveau à la volonté de Dieu que nous. Seulement que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate 95, au verset 4, j'ai créé l'homme à la forme la plus parfaite. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et il lui a donné maintenant. Il a créé tout cela pour qu'il puisse bénéficier de cela. Il a créé cela pour qu'il puisse vivre en paix, à l'aise avec tout cela. Et non pas pour se prosterner devant ces choses-là et non pas pour les adorer. Ces choses-là ne sont pas là pour qu'on adore. Si jamais, et c'est ce que les scientifiques disent, si jamais tu prends quelque chose qui est soumis à la matière, au temps et comment on appelle, à l'énergie, et tu dis que ça c'est un Dieu, les scientifiques disent que tu ne parles pas de Dieu. Et c'est ce que le Coran nous dit. On ne peut jamais prendre quelque chose comme ça. C'est à nous de réfléchir. La fois passée, j'ai vu sur une chaîne, et nos frères ici qui ont leur religion et consorts, on leur a demandé, vous avez votre religion, où est votre livre? Ils ont dit qu'ils n'en ont pas. Mais les directives de leur religion, ça marche comment? Ça ne peut pas marcher comme ça là, mes chers frères. Ça ne peut pas, monsieur Théodule. Nous devions réfléchir et voir
Est-ce que nous voulons réellement sauver le monde, oui ou pas? Est-ce que réellement nous voulons la paix, oui ou pas? Est-ce que nous voulons réellement le salut pour les gens, oui ou pas? Le salut n'a pas, c'est-à-dire ce n'est pas un mot, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement comme les gens le disent. Nous devions nous unir, nous devions nous entendre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir travailler Dieu sur d'abord l'unicité de Dieu, reconnaître la place des prophètes et profiter de cela maintenant pour que et enseigner la vérité aux gens pour que les gens puissent être sauvés. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un ou pour critiquer quelqu'un, mes chers téléspectateurs. Oui, c'est justement parce que l'islam est clair. L'islam dit dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 256, la ikrafidine, pas de contrainte en religion. Nous ne demandons pas, c'est-à-dire ce n'est pas une manière pour faire tout cela. Nous allons vous apporter ce que Allah soit votre, celui qui vous a créé, m'a créé, vous a dit. Moi-même, ce que je dis, je ne me soumets pas à cela, je ne vais nulle part. Je me soumets à cela, j'ai le salut. Et tous ceux qui se soumettent à cela, le meilleur d'entre nous auprès de Dieu, c'est celui qui les craint le plus. Ce n'est pas parce que c'est Adil qui est en train de parler comme ça. Je ne me soumets pas à cela, je n'ai rien. Merci à vous, Imam Adil Ayedou. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste des questions de religion liées au terrorisme. Nous, vous avez abordé certains aspects de la chose sur lesquels nous allons y revenir tout à l'heure, mais je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler, poser des questions, c'est sûr qu'ils sont nombreux. Tous ceux qui nous écoutent sur le réseau international, ils peuvent appeler, poser des questions. Ils ont leur numéro à part, bien sûr, qui pourrait leur permettre d'être avec nous, de communiquer, de poser des questions sur cette émission. Imam Adil, j'aimerais revenir... Et ça, c'est sous le contrôle des téléspectateurs, sur la zakat. Parce qu'il n'y a pas que, vous l'avez dit, ce n'est pas que les musulmans. Oui. C'est pour tout le monde. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle en réalité la prospérité partagée. Mm-hmm. Alors, quel conseil avez-vous à donner? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous l'avez suivi, on s'accapare de tout. Mm-hmm. On veut tout pour soi. Rien que pour soi, rien pour les autres. Et là, on recherche le salut. Le conseil que je vais donner, c'est simple. C'est que les frères en islam, ceux qui ne se sont pas encore soumis à la volonté de Dieu, n'ont qu'à accepter la volonté, la soumission totale à la volonté de Dieu. Et après, maintenant, ils purifient leur argent en donnant la zakat pour pouvoir aider. Pour pouvoir faire quoi? Respecter d'abord le Seigneur qui les a autorisés de donner la zakat. Mm-hmm. Et en deuxième lieu aussi, nous permettre, nous aussi, nous tous ensemble, eux y compris, leurs filles, leurs familles y compris, de pouvoir vivre en paix. Parce que le fait que nous refusons de le donner, ça crée des problèmes plus que ce que nous imaginons. C'est vrai, toi tu vois que bon, peut-être donner 100 millions comme la zakat en tant que musulman, peut-être c'est beaucoup. Tu vois que c'est énorme. Mais n'oublie pas, la jouissance que ça te donne, c'est minime devant les grands problèmes que tu crées. Donc le mieux là, libérons nos zakat pour pouvoir aider. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a cité les types de personnes qui peuvent bénéficier de cela. Mais la première des choses à faire, je demande d'abord aux frères qui veulent, même s'ils sont des non-musulmans, d'étudier correctement l'islam, d'accepter la dernière volonté de Dieu. Oui, pourquoi vous demandez aux frères, les non-musulmans, d'étudier l'islam? Oui, je demande aux non-musulmans d'étudier les non-musulmans d'étudier l'islam. Mais il y en a qui ne croient pas en l'islam, qui ne croient en rien, mais qui respectent la nature. Oui, ils savent que ça là ne se fait pas, ça ne se fait que la prospérité doit être partagée. C'est vrai. Vous savez, et je ne sais pas comment eux ils appellent ça dans la langue, parce que quand on dit l'islam, c'est en arabe. Ça peut-être, la personne peut désigner ça dans sa langue comme il veut. Moi, mon problème, c'est quoi? Le fait de respecter simplement la nature, ce n'est pas suffisant. Le Coran, c'est la... Oui, ce n'est pas suffisant. Je vais vous expliquer. Le Coran, c'est la dernière volonté de Dieu à l'humanité tout entière. Imam Adil, avec votre permission, pour ne pas être trop attendre, le téléspectateur qui est en ligne, nous allons l'écouter. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Vous êtes en direct sur l'émission Au-delà du réel. Bonsoir. Bonsoir à l'invité. Bonsoir. Bonsoir. Ok, moi on m'appelle Agoton Franck. Franck Agoton, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle de Godoma. Oui, nous vous écoutons. Je salue le plateau. On vous salue aussi. On dirait que votre invité, il est venu spécialement pour les chrétiens. Ah. Ou bien il est venu convertir carrément le Bénin en musulman. Vraiment, je suis content pour lui. Merci. Concernant la zakat, oui. Moi je voudrais bien qu'il approfondisse cette connaissance-là. Parce que beaucoup de Béninois aujourd'hui musulmans, ils en ont mais ne veulent pas donner.
je ne vais pas citer le nom du directeur à Golf, mais il aussi, il en fait partie aussi. Quand on en a, il faut payer. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Franck Agouton, qui nous appelait de Godomé. Un autre en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'appelle, je m'appelle Rachid, j'appelle Dakopa. Oui. Pardon? Rachid. Je voulais demander, je remercie l'invité. Oui. Il faut qu'on s'abonne à lui, qu'il vienne de temps en temps nous parler de Dieu. Et je voulais demander quand est-ce que la rediffusion de cette émission. Parce qu'il est intéressant, ce monsieur. Il faut de temps en temps l'inviter. Si on doit participer à son arrivée, tout ça, là, à l'émission, on va le faire. Monsieur Rachid. Merci. Monsieur Rachid. Quelqu'un a déjà oui? proposé. Vous, vous entendez parler? Allô? Oui. Vous entendez vous-même? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Rachid. Parce qu'on a eu des gens qui ont dit la même chose, mais qui n'ont jamais réagi jusqu'à là où nous parlons. Merci quand même de le dire. Merci d'avoir cette bonne volonté, ce qui nous amène à recevoir le troisième téléspectateur. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, on m'appelle Digbey Sorel depuis Port-Nouveau. Pardon? On m'appelle Digbey Sorel depuis Port-Nouveau. Monsieur Digbey. Oui. Oui, depuis Port-Nouveau. Je remercie l'invité par rapport à ses explications. Je suis très content de lui. Ça prouve que vraiment il est un grand musulman. Et ma question est ceci. Oui. Et tout ce qui se passe dans le monde actuel n'est pas prédit par Dieu même. C'est ma première question. Oui. Et pour traverser tout ce qui se passe là, il faut que d'abord tu crois en Dieu. Et que dès que tu traverses de la manière avec foi, c'est à ce moment que Dieu t'accepte dans son royaume. Et parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous a dit qu'il faut partager les femmes en dehors des hommes, tout ça là. Si en tant que chrétien ou bien en tant que musulman, tu veux que Dieu t'accepte, tu dois traverser tout ceci. Et c'est ça qui prouve que réellement tu es un chrétien ou bien tu es un musulman. Parce que tu ne traverses pas tout ceci. Allô? Monsieur Degagné. Tu ne travailles pas tout ceci. Oui. Comment Dieu peut t'accepter pour te dire, ah vraiment, voilà mon fils. C'est ma deuxième question. D'accord. Monsieur Degagné, merci pour votre appel. Vous allez nous permettre de recevoir un autre très rapidement. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est madame Claire Taviro. Madame? Claire Taviro. Madame Claire Taviro, oui, nous vous écoutons. Vous appelez d'où? Je salue votre invité. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense des attentats qui se font? Des attentats. Au Nigeria. Ce qu'il pense des attentats. Du Nigeria. Oui, au Nigeria. Au Nigeria, pourquoi? D'accord. Pas l'utilisation de petites filles. Ok. D'accord. Ok. Et puis je voudrais aussi savoir pourquoi il a passé tout son temps à attaquer les chrétiens. Ah, il a passé tout son temps à attaquer les chrétiens. À attaquer les chrétiens. D'accord. Est-ce qu'au niveau des musulmans, il n'y a pas aussi des travers? D'accord. Il n'y a pas aussi des travers. D'accord. Okay. D'accord. Merci beaucoup, Madame Claire Taviro. Merci pour votre appel. Vous aurez les réponses tout à l'heure et nous continuons avec les téléspectateurs. Le cinquième en ligne. Bonsoir. Hello? Oui, bonsoir. Oui, vous me recevez? Nous vous recevons parfaitement. Oui. Pasteur Zissou Parfait. Pardon? Oui. Zissou Parfait. Vous savez, je téléphone depuis Pipadi. Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Je voudrais simplement dire que quand on pose le problème de la théodicée, on ne va pas sur, je dirais, un terrain religieux pour, en un mot, attaquer l'autre religion. Je voudrais dire simplement que lorsqu'on se passe pour un observateur sérieux du présent système des religions que nous avons, à savoir endogènes, islamiques, chrétiennes, etc., il faut constater pour chaque religion ce qu'il a de côté positif. Et en faire,
je dirais, une analyse pour tirer la vérité de toutes les religions que nous avons. Tout à l'heure, dans l'émission, je pense qu'il a eu à dire, sur le pied au plateau, excusez-moi beaucoup, que la manière de s'habiller sur le plan vestimentaire fait bien pour une provocation. Oui, c'est bien, mais je voudrais dire que la manière dont on s'habille dans l'islam, où je vois dans la rue, où aujourd'hui la préoccupation de l'État est de lutter contre l'insécurité, je vois vers rond-point des gamins, des gens qui se cachent complètement le visage des femmes et qui marchent, qui ne marchent pas à visage découvert. Et ça leur permet de rentrer dans des maisons, c'est des féminins qui font ce qu'ils veulent, on ne peut pas les identifier. On ne peut pas les identifier. Donc le problème demeure. Ils restent cachés sous un accoutrement moustiquaire pour faire ce qu'ils veulent. Même l'adultère, il sort. Personne ne peut l'identifier. Un beau-frère ne peut pas la reconnaître. Il y a tout ça là qu'il faut voir. D'accord. Bien. Et lorsqu'il s'agit maintenant de la séparation du féminin et du masculin dans les écoles, oui, je pense que le problème n'est pas là. Tout se base sur l'éducation. Tout se base sur l'éducation. La trilogie, éducation, rue, école. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais, oui. Donc, si je rentre encore sur autre domaine, oui, nous avons constaté qu'il y a des filles de 12 ans, 14 ans, qu'on pense pour, en un mot, pour exiger, j'allais dire, le mariage à 17 ans, 18 ans. Alors que là, il y a les maladies qui les guettent, pour ne pas dire le cancer, parce que l'utérus n'est pas mûr, comme vous savez, avant 18 ans. Et c'est ça qu'on voit. Mm-hmm. À 15 ans, à 16 ans, j'ai des exemples, je ne veux pas citer des noms. J'ai des collègues anciens qui sont musulmans, et j'ai assisté à leur cérémonie de mariage, et c'était une fille de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans. Est-ce que vous voyez? Monsieur Zissou, monsieur Zissou Parfait. C'est quelque chose que nous allons voir. D'accord. Il y a des côtés que... Merci, monsieur Zissou Parfait, pour votre participation, votre contribution. Vous aurez les réponses tout à l'heure pour d'autres questions. Nous allons recevoir une autre. Bonsoir. Autre téléspectateur, allez, bonsoir. L'avant-dernier, certainement. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok, je m'appelle Abdou Moumine. J'appelle de Bégamé. Vous vous appelez? J'appelle Abdou Moumine. Abdou Moumine. Oui, j'appelle de Bégamé. Ok, monsieur Abdou Moumine, oui, nous vous écoutons. Je salue monsieur le journaliste et en plus le deuxième Abdou Magil de Bénin. Merci bien pour son émission qu'il a amenée sur notre golf. C'est très correct. Mais j'ai voulu encore le faire comprendre, de faire connaître à les chrétiens, moi, ça m'étonne des fois, avec le quoi dont les gens mettent dans leur cou en train d'adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'ils expliquent ça encore de plus. Voilà. D'accord, monsieur Abdou Moumine. Merci. Et nous recevons le tout dernier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est côté firmé. Pardon? Cotier Firmin. Monsieur Cotier Firmin, nous vous écoutons. J'appelle depuis Porto Novo. De Porto Novo, oui. Nous vous écoutons. Bon, ma première question est celle-ci. Mm. À notre imam. Oui. Pensez-vous qu'on peut suivre aujourd'hui à 100% les paroles saintes qui regardent à l'évolution de l'humanité? D'accord. La deuxième question. Oui. C'est un mot à l'endroit de ceux qui commettent des attentats, alors que pratiquants de l'islam. D'accord. Voilà mes deux questions. Merci à vous, monsieur Cotier Firmin. Merci, et c'est avec vous que nous allons boucler la boucle des appels de ce soir sur l'émission. Imam Adil, nous allons essayer de répondre très rapidement aux questions des téléspectateurs. Franck Agboton, qui a parlé... qui a demandé que vous... c'est comme si vous êtes arrivé pour demander à tous les Béninois de se convertir à l'islam. Oui. C'est l'apparence qu'on a de vos explications. Et ça rejoint la question de Mme Claire Toviro qui dit
que c'est comme si vous êtes arrivé pour attaquer les chrétiens. D'accord. Et d'abord, je voudrais remercier madame qui a posé vraiment une très belle question. Mm. Je ne suis pas arrivé pour attaquer les chrétiens. J'ai juste cité des versets et de la Bible exactement parce que c'est eux-mêmes qui nous ont présenté la Bible comme le chemin du salut qui doit sauver l'humanité. Et nous sommes obligés de lire ces Bibles-là pour pouvoir attirer leurs attentions sur certains éléments. On n'a pas eu beaucoup de temps pour parler de la Bible. Eux-mêmes, ils peuvent faire des recherches sur la Bible. Mmh. Ce que je dis, je n'ai pas inventé. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Des versets sur et c'est comme ça, la Bible. C'est comme ça que voilà. Vous avez c'est votre compréhension. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un d'autre viendra donner... Très bien. Donc, si, par exemple, il y a un pasteur, comme on le dit, un grand pasteur du Bénin, qui est prêt à affronter Imam Adil pour pouvoir lui apporter d'autres logiques plus claires que ce que je suis en train de dire. Moi, je suis disponible. Le plateau, c'est là. Nous venons et les Béninois vont voir clair dans la vérité. La chose doit aller avec la logique. Le salut, ce n'est pas un vain mot. On ne bande pas les yeux pour t'amener au salut. Tu dois ouvrir les yeux, tu dois être bien posé. Tu dois bien comprendre. C'est comme on nous dit, par exemple, pour rentrer au paradis, il faut que c'est-à-dire quelqu'un doit se suspendre entre le ciel et la terre avant de rentrer au paradis, avant de voir le salut. Combien de personnes dans cette terre vont la voir? D'accord. Ça serait impossible. Mmh. Alors, M. Franck Agbouton a dit... Oui. Il aimerait que vous reveniez sur la zakat, parce que ce n'est pas que c'est les musulmans. C'est-à-dire, c'est l'islam qui a donné le nom zakat. Oui. Mais de l'autre côté aussi, on parle de dîme, on dit la prospérité partagée. Oui. C'est une loi de la nature. Oui. Pense à celui qui est à côté de toi. Il aimerait que vous reveniez tout petit, très rapidement sur ça. Effectivement, nous, en islam, dans la sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les directives par rapport à ceux qui doivent bénéficier de la zakat. Est-ce que vous voyez? Et je l'ai dit, par exemple, ici, si toi, tu es, par exemple, un musulman, tu dois donner la zakat, ainsi de suite. Voilà. D'abord, pourquoi vous allez constater que je parle toujours des musulmans quand je parle de la zakat, d'autant plus que la zakat fait partie des piliers de l'islam. C'est-à-dire, croire en la zakat, ça fait partie des piliers de l'islam. Quand tu acceptes l'islam, c'est que tu acceptes la zakat. Et la zakat est là pour pouvoir aider les gens. Parmi ceux-là, il y a par exemple ceux qui sont en train de rentrer en islam. Quand je dis l'islam, il faut que les gens comprennent tout de suite quelque chose. Je ne suis pas là pour prêcher, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour prêcher un système ou bien... Non. Je suis là pour vous dire la dernière verse, c'est-à-dire la vérité sur la volonté de Dieu, sur nous les êtres humains, nous tous en général. Et sur cette bannière, je vous l'ai dit, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Le Coran est descendu à l'humanité tout entière pour comme la dernière volonté à Dieu, d'autant plus que les scientifiques même non-musulmans, chrétiens, juifs et consorts de tous les autres livres sont unanimes. Par exemple, l'hindouisme, ils ont dit que les livres ont été falsifiés quand les réformateurs sont arrivés. Le bouddhisme, les livres ont été falsifiés quand les réformateurs sont arrivés. Le christianisme, même chose, c'est eux-mêmes qui les disent. Donc pour cela, j'appelle tout le monde à se soumettre à la volonté de Dieu afin de pouvoir bénéficier des bénédictions de la zakat. Chez eux, on appelle ça, ils appellent par exemple quelque chose d'hymne. Mais comment ça se fait? La manière dont ça se fait ne respecte pas les mêmes règles avec la zakat. Est-ce que vous voyez ce que je dis? La zakat, c'est un calcul. Mais le tout compte fait, on arrive, tout concourt à la prospérité partagée. Oui, du fait tout que l'autre... Tout concourt à la prospérité partagée. Oui, c'est vrai. Mais les autres, du fait que ce n'est pas un outil de foi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais c'est le jugement que vous faites. C'est en cela que les gens disent que vous êtes en train de faire un procès. Ah, d'accord, c'est le jugement que vous faites. Mais c'est comme ça. Vous savez, je vais s'y aller. Nous allons évoluer pour, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui. Il y a une question très importante. Oui. Est-ce que ça, c'est de M. Diguain de Porto Novo, tout ce qui se passe aujourd'hui, les attentats et tout, c'est clair que vous allez nous dire ce que vous pensez des attentats au Nigeria, surtout qu'on utilise des filles. Est-ce que ce n'est pas prédit par Dieu? Ça, c'est M. Domingue. Oui, c'est vrai. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre nous ont parlé des choses de la fin des temps. Est-ce que vous voyez que nous allons voir? Sinon, si nous ne voyons pas beaucoup de ces tremblements de terre et qu'on sort, nous n'allons pas croire que ces gens-là ont été envoyés. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que Dieu les a envoyés, les a parlé des choses de la fin des temps. Nous les constatons. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ne mettez jamais tout ce que vous voyez à la télé sur le dos d'une religion, c'est-à-dire sur le dos de l'islam pour dire que c'est les musulmans. Non. Je l'ai dit auparavant, tous ceux qui disent « je m'appelle Adil et consorts » ne sont pas forcément des musulmans. Musulmans veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un m'a dit la fois passée, mais quand même, avant de tuer, il dit « Allahu Akbar ». Il a dit « mais comment les chrétiens arabes appellent Dieu ?» Ils appellent Allah. Comment ils disent « Allah est grand » en arabe? Il dit « Allahu Akbar », exactement comme... Mais parce qu'il est chrétien arabe, il dit « Allahu Akbar », cela suppose qu'il est musulman. Non, il y a plus de 14 millions d'arabes coptes qui sont des chrétiens, qui portent des noms musulmans, des noms arabes comme nous, mais qui ne sont jamais des musulmans, qui sont pleins dans ces groupes-là. Et la fois passée, nous avons parlé du terrorisme, nous avons développé cela. Ce n'est pas parce que vous voyez
pareil. C'est vrai, parmi les musulmans, je n'ai jamais refusé. J'ai dit toujours ceci. Nous tous, on n'a pas accepté l'islam à 100%. D'autres, 10%, 20%, 30%, 40%. Peu de personnes ont accepté la dernière volonté de Dieu à 100%. Et c'est cela que nous prêchons à l'humanité tout entière. Nous sommes là pour prêcher la dernière volonté à tout le monde, chrétiens, musulmans, tout le monde. Nous sommes obligés d'entendre la dernière volonté d'Allah. Et qu'est-ce que vous pensez des attentats au Nigeria où on utilise les femmes, Allah nous a dit dans le Coran, oui, dans la sourate Maïda chapitre 5 au verset 32, celui qui tue un être innocent, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui sauve un être innocent, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. C'est ce que le Coran dit. Est-ce que vous voyez? Et ça, vous ne verrez jamais cette déclaration dans aucun livre du monde entier. Ça, c'est clair. Donc, ce qui se passe par rapport aux attentats et ce qu'on fait, ce n'est pas des choses islamiques. Nous l'avions développé la fois passée ici. Les gens ont vu clair dans ce qu'on appelle le terrorisme. La preuve, je vous ai dit, le ministre de la communication de Tchad a été invité par BBC. On lui a posé la question, comment vous travaillez sur le terrain? Ils ont dit, oui, quand on va sur le terrain, nous avons évolué avec Boko Haram. Mais sur les soldats de Boko Haram, l'arme que nous trouvons sur eux est inscrite « Made in France ». Et la dame lui a posé la question à savoir, mais est-ce que vous êtes en train d'insinuer que la France finance le terrorisme? Il dit, non, moi je n'ai jamais dit que la France finance le terrorisme. Maintenant, nous musulmans, nous disons quelque chose. Ramassons les armes. Allez en France. Le président français, il organise, il appelle tous ceux qui fabriquent des armes dans son pays. On regarde les numéros de série des armes. On demande qui a délivré ces numéros de série. On trouve la personne. Qui vient commander les armes chez toi? On trouve la personne. On l'arrête. Si Boko Haram n'a pas les armes, il n'a pas les bombes, comment il va travailler? Qui finance? Aucun pays musulman au monde ne fabrique des armes. Aucun pays musulman ne fabrique des bombes. Ce sont eux-mêmes qui fabriquent cela. Si vous ne voulez pas que ces groupes... L'Iran fabrique. Oui, je ne refuse pas. L'Iran fabrique. Mais je ne refuse pas. Mais allez, aujourd'hui, vous savez tous les problèmes que l'Iran a. L'Iran est l'un des pays aujourd'hui qui est contrôlé par pratiquement tous les Occidentaux dans toutes les armes, même les marches qu'ils font. Et tout le monde sait aujourd'hui, l'arme qu'on a écrite Made in France, est-ce que c'est l'Iran qui a fabriqué? L'Iran ne s'appelle pas la France. Très bien. Alors, monsieur Zissou, parfait, ça c'est la dernière pour vous. Est-ce que pensez-vous qu'on peut respecter à 100% les paroles de Dieu? 100%. Respecter les paroles, je ne sais pas dans quelle logique le frère a posé la question. Oui. Parce que quand on dit respecter les paroles de Dieu à 100%, la première des choses, c'est d'abord l'attention. C'est-à-dire suivre les paroles à 100%. Voilà, nos prophètes de Dieu l'ont suivi, c'est-à-dire ils ont fait leur effort. Les êtres humains, sans vous mentir, en tant qu'être humain, parce qu'il y a la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui amène toujours l'homme à pécher. La chose que moi je vais attirer l'attention des gens, c'est quoi? C'est que quand tu commets des erreurs, l'être humain est failli, comme on le dit, il peut commettre des erreurs, mais quand tu commets le meilleur parmi les pécheurs, c'est celui qui repent automatiquement après avoir commis des erreurs. Ça veut dire quoi? Ton cœur sait que, par exemple, Dieu ne veut pas que tu manges la viande de porc, Dieu ne veut pas que tu bois de l'alcool, mais c'est différent avec celui qui légalise l'alcool pour dire non, on s'en fout, comment Dieu va dire ça, ça c'est un faux verset, non, moi je bois, parce que là, toi tu es sorti du cadre de l'obéissance à la volonté de Dieu. D'accord. Toi tu bois, mais tu te répands, tu sais que ce n'est pas bon et tu te répands. Par rapport au port du voile, ça c'est la dernière question, par rapport au port du voile, vous savez, et ça c'est M. Zissou Parfait qui l'a dit, qu'il y a, c'est vrai, l'État a sa part de... Mais le port du voile, il y en a qui profitent de ça, et qui pour commettre des bêtises. C'est normal. Pour aller voler, pour rentrer dans des maisons, pour voler, ou pour commettre l'adultère, etc. Il y a pas mal de choses. Même les non-musulmans utilisent ça pour commettre leur forfait. Ça, je n'ai jamais nié cela. C'est quoi? Les gens, par exemple, vous pouvez par exemple avoir créé une voiture pour que les gens, par exemple, amènent ça uniquement qu'à l'école. Mais le chauffeur qui vous conduit peut prendre votre voiture pour aller chercher la femme d'autrui. Est-ce que vous avez acheté la voiture pour qu'on couche avec la femme d'autrui? Non, la voiture est destinée pour quelque chose. Mais l'autre, il en fait une autre utilisation. C'est à nous d'appeler les gens à comprendre la crainte qui est dedans, l'importance qui est dedans. Dieu, lui, nous a parlé. Dieu nous a prêché. Il nous a demandé, nous, d'aller passer le message. Les prophètes ont passé le message. Les prédicateurs passent le message. Mais si les gens font du désordre avec ce qu'ils, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils vont faire face à leur Seigneur. Nous sommes là seulement pour leur parler. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Imam Adil Ayedou, spécialiste des questions liées, des questions de religion liées au terrorisme, etc. Votre mot de fin, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. D'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés à faire cette émission. Je remercie aussi Goff, tous les frères qui sont dans la régie, comme on le dit ainsi, la maison, le PDG, tout le monde qui favorise la qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide et qui vous aide beaucoup dans ce que vous faites pour l'islam, parce que c'est un honneur pour nous de nous inviter, de venir parler. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous ont appelés. Je l'ai toujours dit, je suis jeune, je suis fort, vous pouvez m'appeler, m'insulter, il n'y a pas de
problème, tout cela, tout ce que vous dites sur moi, il n'y a pas de problème, pourvu que qu'à la fin, vous puissiez comprendre la volonté de Dieu, vous puissiez comprendre ce que Dieu veut, la soumission totale et à la volonté. Et comprendre que vous n'êtes pas arrivé pour demander à tout le monde de devenir musulman. Non, non, laïcra fidine, ce serait une joie pour moi, même si le chef de l'État accepte l'islam, alhamdoulilah, même si tout le monde accepte l'islam, parce que je suis là pour enseigner la soumission à la volonté de Dieu. Et pour finir, je vous ai dit, la Bible nous a dit dans Jacques 4, au verset 7, il dit « Soumettez-vous à la volonté de Dieu, résistez au diable et le diable vous fuira. » Ça veut dire quoi? Ça revient aussi à ce que l'islam dit « Soumettons-nous à la volonté de Dieu, résistons au diable dans les périodes de tentations difficiles et Inch'Allah, le diable nous fuira et nous allons marcher sur le sommet des charlues. » Par quel numéro les gens pourront vous joindre peut-être? Il y en a qui... Bon, s'ils peuvent me joindre sur le 97 29 0900. 97 29 09 00. Merci une fois encore, infiniment merci à vous, Imam Adil Ayedou. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci de nous faire partager ces connaissances, en tout cas de partager avec nous ces explications par rapport au salut. Le salut, par quel chemin peut-on atteindre le salut selon la version de l'imam Imam Adil Ayedou. Voilà ce qu'il nous a dit. Vous l'avez écouté, prenez ce qui vous intéresse et qui vous engage, et qui vous fera du bien. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Au-delà du réel, vendredi prochain, on est ensemble. Bonsoir chez vous, que la bénédiction soit le meilleur reste à vous. والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنا في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول